cet événement a été organisé dans le cadre fédéral. La Fédération française de danse organise dans toutes les régions de France une qualification régionale pour sélectionner un danseur au vu de l'événement national qui aura lieu le 15 à Aix-en-Provence. En semaine, on a initié, on a donné des stages, on a expliqué la culture. On peut voir cette culture-là d'une façon, et elle est assez codifiée, elle est très codifiée, je dirais. Donc on a pris le temps d'aborder les choses avec les enfants, avec les jurys professionnels qui viennent de la France, et aussi des danseurs d'ici, qui ont intervenu dans les quartiers prioritaires de la ville de Matoury, comme Barbadine, Concorde, le bourg de Matoury et Larivaux. Et il y avait plus de 35 jeunes chaque fois dans les quartiers qui venaient prendre les stages avec ces professionnels. Simplement pour donner des stages aux enfants, donner l'expérience qu'on a acquis pendant pas mal d'années et juger la compétition. Je suis ultra surpris par le niveau de certains danseurs, l'énergie et après aussi beaucoup de jeunes. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment un mélange culturel, que ce soit avec le Suriname, le Brésil, la Guyane, des b-boys qui viennent de métropole de temps en temps ici. Donc il y a vraiment tout ce mélange-là. Ça impacte beaucoup sur la danse et je trouve ça super enrichissant. Et même pour moi, voilà, en venant ici, ça m'enrichit beaucoup. C'était bien, on a fait quelques battles et tout. On a appris beaucoup de choses sur les freezes et des fois dans les breaks. On m'a appris le baby freeze. Non, mais le baby freeze. Et aussi le tripied. Le tripied, et après on va en arrière. Et que si, quand on va en arrière, on se retourne. Ça. Non, c'est bon. Tu vas te faire. Je sens que tu vas te casser un truc un jour. On a eu plus de 25 jeunes de moins de 16 qui ont tenté de se sélectionner. Pour les filles aussi, on a eu un grand nombre, plus de 23. Et pour les garçons, plus de 16. Là, ça a un peu péché, on a eu seulement 6 personnes. Donc voilà, après pour les filles de plus de 16, il n'y a pas eu de candidats. Il y a juste une big girl qui a représenté pour les filles. D'abord, c'était dur un peu pour moi car
J'avais un petit peu peur de passer avec l'autre garçon qui s'appelle Derson. J'ai fait le battle de la qualification pour les championnats de France qui se passe à Aix-en-Provence en août. Donc là, j'ai gagné le battle en Guyane. Il y avait du gros niveau, il y avait de la bonne ambiance, c'était super cool. Il y a des petits, ils sont trop forts. Eh bien écoutez, c'est une très belle manifestation. Agréablement surpris de voir le dynamisme des jeunes dans le cadre de cette manifestation. Dans le but, il ne faut pas oublier la détection de jeunes talents pour les Jeux olympiques de 2024, de breaking. Et donc, je veux profiter de l'occasion de remercier le président Alexandre, Rodolphe Alexandre de la CTG, remercier Madame Chalco, ici présente, de la CTG, pour encourager justement ce genre de manifestation dans notre pays. La CTG s'implique beaucoup dans tout ce qui est culturel, notamment aujourd'hui avec le concours du break, hein, parce que la jeunesse est l'avenir. Donc la jeunesse aussi, c'est la culture. Donc nous sommes là aussi pour les inciter à rester aussi dans ce domaine. Ces catégories témoignent du développement du hip-hop en Guyane. On a des points forts au niveau des jeunes, mais au niveau des plus jeunes, on voit que ça pêche un peu, on voit qu'il y a moins de participants. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il faut qu'on aille bosser avec eux, il faut qu'on aille les chercher. Il y a des stratégies à mettre en place et le comité régional, on est en phase de réflexion pour pouvoir le faire. Angel, look at the wings, straight to the shows. But I never met her, even though she was missing.